Si je force le souvenir, tout d'un coup je comprends ce qui m'arrive. J'imagine. Voilà, je ne me souviens plus. J'imagine. J'imagine. Alors maintenant, c'est le jour, je pense. Je venais de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une église. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme très pauvrement vêtue, qui elle aussi m'a vu. Elle va la tête haute, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage. Je n'avais jamais vu de tels yeux. Sans hésitation, j'adresse la parole à l'inconnue. Elle sourit, mais très mystérieusement. Et dirais-je, comme en connaissance de cause. Comme en connaissance de cause. Elle me dit son nom, celui qu'elle s'est choisi. Nadja. Parce qu'en russe, c'est le commencement du mot espérance. Nous convenons de nous revoir le lendemain. Nadja est arrivée la première. Nous demeurons silencieux quelque temps, puis ses yeux se ferment et s'ouvrent, comme lorsqu'on se trouve en présence de quelqu'un qu'on ne s'attendait plus à revoir. Nous déambulons par les rues, l'un près de l'autre, mais très séparément. Tu sais, le temps est d'accord. Le temps est d'accord parce qu'il faut que toute chose arrive à son heure. C'était vraiment une étoile. Une étoile vers laquelle vous alliez. Nous ne pouvions manquer d'arriver à cette étoile. À vous entendre parler, je sentais que rien ne vous en empêcherait. Tu écriras ce mois, je t'assure. Ne dis pas non, prends garde, tout s'affaiblit, tout disparaît. Dis-nous, il faut que quelque chose reste. Tu prendras un autre nom. Quel nom veux-tu que je te dise? C'est très important. Il faut que ce soit un peu le nom du feu, puisque c'est toujours le feu qui revient quand il s'agit de toi. Mit Absiegen und mit Süden.
L'opérateur chargé de la station de télégraphie sans fil située à l'île du Sable a capté un fragment de message qui aurait été lancé dimanche soir à 2h. Le message disait notamment « Il y a quelque chose qui ne va pas », mais il n'indiquait pas la position de l'avion en ce moment. Et par suite de très mauvaises conditions atmosphériques et des interférences qui se produisaient, l'opérateur n'a pas pu comprendre aucune phrase ni entrer de nouveau en communication.